Hello, hello. Ouais, ouais, t'inquiète. C'est moi aussi. Je vous ai déshabitué euh, aux émissions du mercredi. C'est My bad. Mais c'est vrai que c'est pas forcément d'habitude le jour. Euh, J'ai repris euh, le chemin du bureau les, les mercredis. Il y a quelques collègues, collègues que j'aime bien croiser et euh, généralement, ils sont là le mercredi. Et là, vous, vous avez du pot. Ou pas de peau, je sais pas. Euh, ils seront là que le jeudi. aujourd'hui, je peux vous caler une émission. Alors par contre, j'ai été complètement débordé ce matin et j'ai pas préparé tout ce que j'aurais voulu préparer, mais ça fait rien. J'ai deux, trois bricoles à, à vous montrer et à, et à vous annoncer au passage. Euh, j'ai pas des talents de graphiste de fou, j'aurais pu faire une espèce de bannière. Euh, hier soir, j'ai reçu un, un email à la fois... Voilà, j'y vais au talent, comme on dit, chez les Jones. Tu parles vachement le Jones, Olivier. Euh, J'ai reçu hier un, un email de, de Twitch. Alors, est-ce que je l'ai mis De ouais, toute façon, ça va pas vous montrer grand-chose. Hop, je vais le foot là. Euh, le voilà, le voilà, le voilà. Est-ce qu'il est capable de le partager là Ouais. Je vais vous partager ça tout de suite. Voilà, tadin Comme on dit dans les jeux de rôle, you have level up. Donc voilà. Je vous avais dit que je cherchais à atteindre au moins le premier niveau chez Twitch, qui est donc c'est en affiliate. Et, euh, et voilà, j'ai reçu le petit email magique. Euh, je vais pas euh, vous spoiler euh, ce, que, ce que ça fait concrètement. Euh, je pense que j'attendrai lundi prochain, j'essaierai. Alors, j'ai commencé à préparer des trucs. Parce que du coup, la chaîne, euh, pour ceux qui, ceux qui ont un peu l'habitude, il y a deux, trois petits trucs qui sont maintenant dispo, qui ne l'étaient pas. Et je vais essayer de faire le, le tour de tout ce qui est, euh, de tout ce qui est possible. Moi, il y avait plein de bêtises que je voulais tester. J'avais même pas la moindre idée de, de, de ce qui était réellement accessible derrière. Donc... Euh, donc voilà, euh, ça, ça vous permettra de faire joujou. Je suis certain que les plus, les plus taquins trouveront vite ce que j'ai déjà mis en place. On verra s'il y en a un aujourd'hui qui trouve. Euh, et puis malgré tout, même si je n'ai pas préparé grand chose, j'ai 2-3 bricoles en tête. Alors j'ai beaucoup de Gitpod en tête en ce moment, il n'y a pas de hasard. Hein. Euh, quand, je, quand je trouve que c'est génial, j'y vais à fond. Et, euh, et j'ai deux vidéos là que je, je veux faire euh, dans la suite, là, les, les deux premières que j'avais faites, j'ai pas eu le temps de les faire, mais ça veut pas dire que je peux pas vous montrer au moins une des deux fonctions euh, euh, rapidement. Euh, ce que je trouve intéressant là avec Gitpod, c'est le fait d'avoir un environnement euh, tout prêt quand vous voulez vous lancer sur un sur un bout de projet, puis d'avoir rien à vous préoccuper. La machine est dans votre browser, tout va bien. Donc euh, même avec l'iPad, ça passe tranquille. Euh, ça, fera, ça, fait, ça fait la joie des gens comme moi ou comme euh, Philippe quand on se balade pour pouvoir bosser euh, facilement et sur plein de projets. Euh, malgré tout, malgré tout, il peut y avoir des situations où, euh, eh ben, vous n'avez pas tout dans le projet, vous n'avez pas tout euh, du coup dans le GitPod. Il peut être intéressant d'avoir accès à des ressources qui sont sur votre machine réellement en local. <laughs> <laughs> ouais, mais bah tu vois, t es, t es, du coup, tu es au courant de la première chose que j'ai annoncée. Euh, je, J'en suis extrêmement désolé. Euh, le fait que vous soyez venus trop souvent, trop nombreux et que j'ai twitché trop longtemps, je viens de basculer à affilié. T'es le premier truc, c'est que dorénavant, il euh, y, y a une pub avant que ça démarre. Donc je croise les doigts. Euh, c'est un peu comme YouTube, voilà, on n'a pas le choix, il y a les pubs qui, qui arrivent. On verra. Euh, J'ai vu qu'il y avait des réglages, donc je ne peux pas tout supprimer, malheureusement, notamment la première, là, quand, quand vous arrivez et que vous n'êtes pas connecté à Twitch depuis je ne sais pas combien de temps, il vous colle la pub. Euh, je vais faire en sorte de, bien entendu, euh, supprimer au maximum, l'idée étant pas de faire rentrer de l'argent. Ah, sur YouTube, tu arrives à les bloquer et pas sur, euh, pas sur. Bah, tu vois, ça te fait. Euh... Je t'ai donné un TP. <laughs> tu vas essayer de bloquer les pubs de Twitch. Non, mais plus sérieusement, je. Euh... J'ai vraiment zéro objectif de monétisation de la chaîne. Hein. Donc, euh, je vais faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Je regarderai. Il y a un panneau de contrôle. Pour moi, c'est tout frais. J'ai reçu l'email hier. J'ai tout, tout fini de régler hier soir sans, sans aller plus loin. Euh, mais maintenant que tu t'es tapé la pub, il y a un petit truc caché que peut-être tu vas trouver. Je ne sais pas sous quelle forme c'est. J'ai pas pris le temps de regarder moi-même. Il y a déjà une première blagounette que j'ai mise en place qui devrait te faire marrer. Ah bah c'est clair, ça se monétise pas. C'est toujours le problème, on a déjà eu le débat 200 fois, est-ce qu'il faut abandonner YouTube et Twitch pour des plateformes réellement libres et plus ouvertes, et du coup se retrouver avec bah, plus personne qui peut te découvrir par hasard C'est toujours, toujours la grande question. J'y reviendrai à la fin de l'émission, vu que B-Box est là, et que j'avais rien de préparé, il va quand même réussir à me faire déborder, je suis sûr. Euh, la partie... Euh oui oui on dépense trop en conneries je suis d'accord mais euh, mais du coup si j'arrive à faire le moindre centime dis-toi bien que ça partira aussi dans les conneries euh, je vais vous parler de la partie Gitpod du coup euh, j'avais trouvé un blog qui utilisait d'ailleurs si ça vous intéresse euh, il doit être encore accessible euh, Gitpod est-ce que je vais le trouver comme ça oh, Merde, j'ai pas mis le t le d Voilà, il y avait eu un, un blog post euh, chez Gitpod en 2019, justement pour régler cette histoire de ben, comment faire si euh, j'ai un projet, euh, je bosse dans mon Gitpod, c'est super, impeccable, euh, comment je fais si j'ai besoin d'une interaction avec quelque chose qui est sur mon poste, ou euh, si j'ai vraiment besoin d'utiliser quelque chose sur mon poste par rapport à ce que je suis en train de développer sur, sur Gitpod. Donc en 2019, euh, ça m'a permis de découvrir un, un projet qui s'appelle Inlet. Euh, ça met en place un, un WebSocket sécurisé euh, qui permet de, et de faire du proxy de, de certains ports entre votre réseau local et euh, le workspace Gitpod. Mais 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 mais, mais euh, entre temps, ils ont développé et il euh, y a les prémices de ça qui sont, euh, qui sont disponibles. Euh, ils ont bien sûr identifié qu'il y avait un besoin là-dessus et ils vont euh, mettre, donc là c'est une, une préversion, je ne sais pas le statut exact qu'elle a, un outil qu'ils ont appelé le Gitpod Local Companion qui va donc euh, permettre ce genre d'opération. Donc euh, bah, je vous laisserai. Euh, voilà, je, je, vais, je vais me faire gronder, je sens, je vais me faire gronder. J'ai oublié un premier truc qui va être de développer le bot. <laughs> faire plaisir à, à b-box euh, je vais d'abord vous mettre euh, tac, le lien du discord pour venir discuter avec euh, avec toutes les célébrités qui se promènent sur le discord de plein de sujets et ensuite je vais vous mettre euh, hop, la page du euh, Gitpod pod local companion euh, tiens je vous mets aussi le le blog post si vous voulez les regarder euh, les inlets. Et non, c'est pas automatisé le, le lien avec le Stream Deck. Mais bon, euh, comme je fais des streams où euh, je débloque la situation et après des mecs euh, font des publications euh, retweetées de partout euh, sur, un, sur un lanceur euh, tactile. <laughs> je te le piquerai des bouts d'ailleurs, euh, Bbox. Donc pour info, Bbox a, a un bout de code pour euh, le, le PyPortal qui permet de, eh ben, de lancer des. De lancer d'autres bouts de code présents sur le Pi Portal. Et euh, moi, je suis en train de faire le, le Stream Deck, c'est pour ça qu'on est sur un truc un peu en commun là-dessus. Et euh, j'ai bien envie, de toute façon, de d'avoir aussi. J'aime bien, ça part dans tous les sens, c'est comme d'habitude cette émission. Reprenons. Le Stream Deck que j'ai commencé et que j'ai montré lundi soir en, en live coding, même si je n'en ai pas fait beaucoup, euh, soirée réglage. Euh, va permettre avec le donc le le Pi portal petit objet tactile avec un microcontrôleur de chez Adafruit. Salut Patrice. Euh, je vais rendre euh, donc ça euh, sous forme d'un de zone avec des boutons. Euh, ce que j'ai expliqué, c'est que moi je, je le veux le plus configurable possible. Donc j'ai un petit fichier JSON, c'est ce que j'ai montré l'autre soir. Je définis ce qui va y avoir dans les boutons. Chaque bouton va lancer une action. Et dans les actions euh, je sais déjà que je veux pouvoir, par exemple, comme là, euh, avoir une série de liens que je veux vous balancer euh, dans Twitch. Donc il y a un bot Twitch que je vous ai déjà montré dans une autre émission. Euh, donc le deck va communiquer par API avec ce bot qui va balancer ça. Euh, comme autre action, j'aimerais également euh, que le deck soit capable euh, d'interagir par exemple avec le Discord aussi, je pense, pour, pendant un live si je veux communiquer des trucs sur le Discord. Euh, ça on verra euh, si, si kios a un, a un module accessible on essaiera d'interagir et j'aimerais aussi que bah, le stream deck tant qu'à faire on aille jusqu'au bout il est aussi cette fonction que tu as toi euh, box commencé à développer à savoir euh, eh ben, j'ai un certain nombre de scripts présents sur la, le pi portal en sd card ou sur le pi portal lui même et j'aimerais pouvoir les lancer euh, euh, à partir d'un menu de euh, un launcher quoi. Donc voilà, on verra jusqu'où cette euh, formidable architecture pleine d'ambition va aller, mais en tout cas, euh, voilà, c'était l'idée. Toujours est-il, revenons à nos moutons. Maintenant que je vous ai montré les liens, que euh, dans le cadre de cette interaction entre le workspace Gitpod et euh, la machine en locale, on a un outil. Donc là, c'est un shell, hein, c'est un script. Actuellement, on peut le récupérer voilà, de cette façon-là. Moi, j'ai pris la version Mac. Euh, tac tac tac, où est-ce qu'il est -ce qu il est, il est ici, voilà. Donc voilà, j'ai mis en place euh, et je l'ai lancé. Quand vous le lancez la première fois, il vous demande de vous authentifier avec votre Gitpod pour euh, eh bien pour pouvoir euh, être sûr que le tunnel se fait bien de manière sécurisée. Il va utiliser un token, il va mettre en place un certain nombre de choses. Et à partir de là, c'est ce que je voulais vous montrer derrière, voilà. Je vais rouvrir le, le petit workspace là que j'avais avec le projet MARP qui permet de faire des slides à partir de, de Markdown. Je vais l'utiliser pour avoir juste le, un workspace dans lequel on va pouvoir faire un certain nombre d'opérations. Et je vais faire un truc tout, tout bête. Alors je ne sais pas s'il y en a que ça, ça peut dépanner à, à l'occasion. Quand vous avez besoin de mettre à disposition sur un serveur HTTP des fichiers statiques, il y a un truc qui marche dans 100% des cas et de manière simple et instantanée, c'est de lancer avec Python. Ah, vous devez être en train de me voir saccader à nouveau, hop, on va remettre un petit coup de ventilo. Hein. Au passage, salut euh, l'Apple Event de hier qui a bien sûr a résolu au problème des MacBook Pro 2019 et 2020 avec plus d'un écran et du stream. Euh, voilà, vous avez besoin d'un serveur, vous avez Python sur une machine, quelle qu'elle soit. Vous tapez cette commande que vous avez peut-être du mal à voir, je vais vous zoomer un peu ça, qui est donc depuis Python. Vous faites juste appel au module, et là je l'ai mal tapé, le module http.server, euh, qui vous permet de développer éventuellement votre propre serveur euh, HTTP. Vous ne voyez pas en bas à gauche sous ma tête, mais je peux rendre public ce port. Euh, si je le souhaite je peux l'observer euh, non, je ne vais pas faire le split editor. On va le faire à partir de là. Euh, voilà, je peux l'ouvrir ici en preview, hein. donc euh, il est sur le, le workspace. Mais puisque j'ai lancé le, le companion de Gitpod, je vais pouvoir l'ouvrir vraiment dans mon browser. Et vous voyez que là, donc là je suis vraiment sur le Mac. Appel en localhost au port 8000, en l'occurrence il était libre, s'il n'avait pas été libre, il en map un automatiquement. Et <laughs> merci Luigi de cette intervention par Discord en live. <laughs> Je vais vous couper les notifs pour pas vous polluer en même temps. Hop. Et vous voyez que le, le serveur HTTP est, euh, est accessible. Alors en l'occurrence, euh, ça marche aussi. Euh, euh, il y a aussi un, un autre appel au module qui était déjà existant même en Python 2. Donc pour des besoins aussi simples, il y a besoin de se prendre le chou. Euh, ça marche aussi. Donc tout ça pour vous dire que juste en ayant lancé le, le compagnon de, de Gitpod, euh, ma machine voit euh, ce qui se passe sur le workspace Gitpod comme s'il était en local. Donc ça peut permettre... Euh, si je suis par exemple en train de développer mon PyPortal, qui bien entendu, euh, ben, je développe du circuit de Python, donc il faut que j'accède au, au file system à travers l'USB, euh, je ne vais pas le faire dans le workspace. Malgré tout, si euh, les actions euh, que je souhaite développer euh, ont eu une API qui par exemple est dans, dans mon projet au sein, de, au sein de mon workspace, et bien là j'ai déjà ma communication qui se passe. Euh, comme à terme, puisque l'idée ce sera d'avoir mon stream deck en local, d'avoir un serveur en local qui va me servir de bot multi-usage, et bien pendant la phase de développement, j'ai déjà une solution qui me permet d'appeler ce serveur sur Gitpod, sans aucun souci. Ouais, je vois que Bbox il connaissait l'astuce du Python avec le module HTTP serveur. Franchement, pour servir des fichiers statiques, il y a vraiment des milliers de cas d'usage où ça dépanne instantanément. Euh, donc là, bah, dans la doc, il vous, il vous reprécise un petit peu tout ça. Hein. On peut on peut tunneler un petit peu tout euh, si jamais donc par défaut c'est ce qu'il explique ça va tuneler le même port que vous avez dans le workspace là c'était le port 8000 que j'ai rendu public il va le tuneler aussi en 8000 s'il le peut sur votre machine locale si c'est pas le cas là il donne un exemple euh, il cherche à rendre disponible le port 3000 qui est déjà occupé sur la machine en locale bah, il va le tuneler sur le port 49605 n'empêche que dans l'interface de Gitpod il va vous préciser ça et ça va l'ouvrir correctement euh, dans votre par exemple votre navigateur. Euh, la deuxième chose que je n'ai absolument pas testé, c'est que du coup ça va ça va rendre disponible si vous avez une clé euh, RSA dans votre répertoire SSH, ça va rendre euh, possible euh, l'action. Euh, on va les tester d'ailleurs tiens. J'avais dit que je testais tout en live comme un foufou aujourd'hui. Alors, ils vous fournissent une instruction qu'on va tester. Je vais ouvrir un autre euh, terminal à côté. Hop. Donc SSH qui utilise cette config qu'il a créée de manière temporaire sur votre machine avec l'application Component Bbox fait un petit roulement de tambour pour que je fasse une camouse une carmouse euh, et donc là il faut que je récupère le workspace alors il ne précise pas euh, s'il faut le HTTP et tout on va le tester donc je... Voilà. Voilà mon workspace. Si je le mets avec le HTTP, je ne pense pas qu'il apprécie. On va prendre le principe qu'on est en train de s'adresser à une machine. Ou une bonaldite, c'est possible aussi. Je pense que la bonaldite est apparue avant la carmouse. Est-ce qu'il voit la machine Est-ce qu'il lui parle Je ne sais pas ce qu'il est en train de mouliner. Ça a peur de bouger de côté application companion. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'il dit dans la doc non, Operation Timeout. Euh, your Workspace ID. Après Qatar, Pourtant, c'est bien ça qui m'a dit de faire. You will be prompt to add the address to the known host. Ouais, mais ça, c'est si ça avait fonctionné. Non, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné. Donc, c'est peut-être pas sec encore. Ou alors, euh, je n'ai peut-être pas des fichiers qui s'appellent ID underscore RSA comme c'est en développement. Euh. euh Allons-y. Après tout, on est entre nous. Je peux bien vous montrer mes clés SSH, n'ayons pas peur. Est-ce que j'ai une ID Non, bah c'est ça. J'ai pas de clé euh, en ID RSA. Je vais pas lancer la manip là maintenant. Euh, il lui faut une clé qui s'appelle visiblement là pour l'instant en dur ID RSA. Après, je pense qu'on pourra jouer. Euh... Je... Bah, tiens, ça sera l'occasion de contacter les gens de chez euh, Gitpod pour voir. Euh... Où est-ce qu'ils en sont Si on peut, euh, je sais pas, avoir une espèce de preview et puis tester les nouvelles features. Moi, ça m'intéresse bien avec cette histoire de bah, si on fait par exemple une, un développement embarqué d'IoT, euh, on a besoin d'accéder à la machine en local pour coder dessus, mais qu'on a besoin qu'elle accède à un service. Le service étant dans un workspace, on peut avoir ce genre d'interaction. Euh, ce qui est bien sûr intéressant et qui va euh, bien sûr aller au-delà, c'est que pour l'instant, là, c'est juste ma machine qui arrive à, à avoir quelque chose qui est exposé dans le workspace. Ils envisagent le tunneling dans l'autre sens, à savoir j'expose un port de ma machine locale qui sera vu par euh, ce que j'ai envie de coder dans le workspace euh, Gitpod. Donc ils vont faire le, le tunneling à double sens. Ouais, ouais, bah ça, oui, oui. Au bureau, euh, le collègue dit je comprends pas, c'est sur, sur la machine, ça marche. Ouais, 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 mais je pense que le collègue, il y a plein de trucs qu'il n'a pas encore compris euh, quand il en est là. <laughs> euh, donc ouais, il vous indique qu'on va avoir aussi un... Là, c'est un truc qui m'intéresse aussi. Euh... Là, on a un VS Code dans le workspace. Ça va très bien, hein. moi, il fonctionne super bien. Mais je me dis que si je suis en train de développer ce truc à double interaction, il peut y avoir des cas où j'ai besoin, puisque c'est déjà le cas, j'utilise je... souvent du... du VS Code en local, que, que je... je pousse par exemple avec Tony ou avec d'autres systèmes, peu importe. après pour que le fichier où je l'édite en direct de, depuis le circuit de Python, l'avantage c'est que c'est vu comme une clé USB. On fera un petit point là-dessus. Il faut penser dans VS Code à aller régler le fait qu'il temporise pas l'écriture de fichier. Pour pas qu'il y ait un problème avec le circuit de Python qui est sur l'USB si jamais on le hein, Bref, euh, Je peux avoir le VS Code qui me sert à développer mon circuit de Python pour le, le, mon Stream Deck par exemple. Et en même temps, eh ben c'est pas mal si j'ai cette liaison, le VS Code peut me servir à développer le bout de code d'application qui est en distant aussi. Mais euh, alors le souci, euh, mon cher Olivier, parce que je sais exactement où tu veux en venir, euh, il faudrait que tu nous expliques comment on utilise euh, VI en remote. Euh, je pense que c'est possible avec le CSH, auquel cas tu es sauvé avec l'application Local Companion qui te permettra ce genre de service. <laughs> Mais si c'est troll dit tous les jours, on a le droit, c'est homologué tous les jours. <laughs> Donc voilà la, la petite fonction de plus. Donc ça, il faut que je le... C'est peut-être un peu tôt pour que je fasse une vidéo là-dessus le local companion, mon idée au début. Mais oui, je blague, je blague. Je vais passer pour une buse moi après. Oui, on peut faire un SSH-X bien sûr. Non mais je, je pense que c'est intéressant, franchement... Euh, euh, export display ne marche pas dans tous les cas. Ça dépend de ton OS et de la façon euh, dont il gère son, son serveur. Euh. Son serveur X, s'il en a un ou pas. <laughs> tu sais, les architectures modernes maintenant, enfin, je ne vais pas te taquiner euh, mon petit olier, mais il n'y a pas que, que X-Window dans la vie. <laughs> Donc voilà, <laughs> voilà ce que je voulais vous, vous montrer avec Gitpod. Euh, L'autre sujet, qu'est-ce que c'était bah Je ne vais, vais pas vous le montrer là, il n'y a, a rien de prêt là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il y, y a un petit cumul là, avec tout ça qui pourrait être intéressant. Euh, franchement, moi, je, suis, je, suis, je crois que je suis comme Philippe. Je crois que plus ça va, plus j'utilise de, de Gitpod. Euh, si le truc que je veux mettre en vidéo, mais là, ouais, c'est pas prêt du tout. Et il y a des, des interactions GitHub et, et GitLab, notamment avec la CI, que, que j'aimerais mettre, mettre en avant et que je voudrais vous montrer. Donc on le fera, fera peut-être même, tiens, avec le projet Marp, ça peut être sympa. Vous savez, Marp, ben, puisqu'on on, l'a ici, on peut, on, peut le, on peut le voir. Euh, tac, on va stopper celui-là. Euh, L'idée, c'est, je vous le rappelle, pour ceux qui auraient raté euh, l'émission de lundi, bande de vilains, euh, on peut définir, donc euh, avec, euh, avec Marp, on peut définir des, des slides. Et ensuite, on peut générer avec euh, alors la commande, euh, si je fais un marp euh, slides.md, euh, par défaut, euh, il va générer la version euh, HTML, d'accord, qui est ici. Euh, ou alors, on peut générer des, des PDF. Euh, ce qui peut être intéressant à boucler, c'était ce qui était, euh, je vous avais mis le lien sur l'article de Rémi, lui, il est allé jusqu'au bout. Et c'est d'autant plus intéressant d'utiliser, si vous êtes sur un projet GitLab, vous mettez en place une CI avec GitLab, vous travaillez dans votre workspace, vous faites vos modifs sur vos slides. Quand vos slides sont dans un état convenable, vous poussez un commit, la CI de GitLab se déclenche derrière, va utiliser MARP pour avoir les slides. Et, euh, et puis, ben, du coup, vous vous retrouvez avec vos slides, par exemple, exposés dans un, dans un GitLab Pages. Et hop, voilà, vous pouvez avoir un, des slides hébergés en temps réel et mette, vous les mettez à jour à chaque fois que vous poussez les commits. Oui, tout à fait, Gouzou. Voilà, c'est parce que c'était sympa d'utiliser MARP et de voir un peu ce qu'ils font. Euh, je ne sais pas ce que tu utilises après. Euh, ouais, Ski Doctor, ouais, c'est très bien. Tu utilises directement ASCII Doctor pour, euh, pour euh, la, générer le HTML. Oui, oui, effectivement, ça, ça fonctionne. Là, je n'ai absolument pas creusé derrière, mais euh, l'intéressant, c'est que Marc va jusqu'au bout et propose de, de servir, si j'ai bien pigé, les slides que tu as écrits avec le mode présenteur à côté. Je j'ai pas, pas, euh, pas du tout creusé. Et c'est quand même pas mal, parce que là, si tu fais euh, avec ASCII Doc, euh, certes, tu vas pouvoir générer par exemple des slides, mais euh, tu ne vas pas avoir la mécanique. Ou pas en tout cas automatique, où tu vas avoir les slides que tu projettes par exemple sur un écran ou sur quoi que ce soit ce que tu utilises, et à côté sur un deuxième écran, pour ceux qui peuvent et qui n'ont pas un MacBook 2020 qui surchauffe, euh, vous avez les, 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 les notes de, de speaker, les notes de présentation. Ah, c'était sur une conf de Hubert ouais, qui utilisait ça, d'accord. Donc avec ASCII Doctor, tu gé... Ouais, d'accord. Avec Doctor, tu génères à la fois... Ah mais Hubert, il n'utilise pas que ASCII Doctor. Il utilise aussi un, un framework. Salut concu du On en reparlera, euh, Goose. Euh... Oui, ça peut intéresser du monde. Là, je vais continuer avec Marc, mais oui, oui. Euh... J'ai pas froid, j'ai la clim, le chauffage, t'inquiète pas, B-Box. Je veux un, un, un Mac qui fonctionne. Et j'aurai un Mac qui fonctionne avant la fin 2021, que ce soit dit. Maintenant que je suis affilié, que vous allez tous vous abonner et m'envoyer des tonnes d'argent, je vais pouvoir acheter un matériel de fou. <laughs> Mais ouais, Goose à l'occasion, ça m'intéresse. Je ne sais pas quel était le... Bon, remarque, je pourrais aller voir la présentation de, que Hubert avait faite. Hein. C'était quoi C'était sur un RDV des speakers C'était sur une conf, euh, une conf en particulier Je ne sais pas le, lequel de, de Talk... Mais j'ai un Tipeee. Non, Tipeee, j'ai arrêté Tipeee, pardon. Tu me fais dire des bêtises. Évidemment que j'ai arrêté Tipeee. Il y a des limites quand même. J'ai un Patreon. Attendez. Sous cette vidéo, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, se trouve un Patreon. Et je vais rajouter un Utip pour remplacer le Tipeee que j'ai dégagé. Web en vert. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Bah eh écoute, ouais, ouais mais je, je, ouais, ça, ça m'intéresse d'avoir. J'aime bien les. J'avais utilisé à une époque un, un outil pareil, un autre outil hein, qui permettait de, euh, de décrire tes slides. Alors, euh, c'était directement du. C'était pas du HTML. Il devait y avoir une couche euh, React ou un truc comme ça. J'étais à fond là-dessus à l'époque. Ah, bah, très bien le lien. Farpé. Farpé, je vais me noter le lien et euh, j'irai voir ça. Merci, monsieur Gouze. Merci beaucoup. Hop, on va revenir à un bruit un bruit moins bruyant comme dirait l'autre en coupant un peu le ventilo en remettant ma grosse tête hop est-ce que je peux copier là Non, évidemment je, avant d'oublier je vais vite copier le lien que Messire Goose nous a passé hop, je vais me le mettre de côté hop 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 Web ver... ah, il n'y a pas le détail, sinon je vous aurais dit à la volée euh, ce que c'était. Mais j'irai le voir, avec grand plaisir. J'aime bien, de toute façon, j'aime beaucoup ce que, ce que présente Hubert généralement, donc euh, ce sera avec plaisir. Donc voilà, euh, je pense que vous avez été plus sage que ce que j'avais un peu peur, donc je ne vais pas en dire plus et je préparais encore plus de nouvelles choses avec ce euh, statut affilié de Twitch. Il euh, y a déjà des bêtises qui sont glissées, c'est marrant que vous ne les ayez pas trouvées aujourd'hui. Euh, mais je compte sur vous lundi prochain pour découvrir les, les, les possibilités. Il n'y a pas que le fait de se taper de la pub <laughs> avant de me voir, y a, y a il euh, y a aussi des trucs un peu rigolos que j'ai commencé à semer. Donc on verra si ça pousse. Voilà, j'espère que vous êtes euh, content d'avoir eu euh, une petite émission du mercredi. Moi ça m'a fait super du bien c'est toujours un grand plaisir de vous présenter euh, même si là il y avait peut-être pas énormément de trucs euh, on a réussi à présenter quelque chose je pense d'intéressant euh, n'hésitez pas si vous découvrez à vous abonner pour être au courant quand je balance une émission euh, il y aura je pense de plus en plus régulièrement des sessions de live coding des vrais lundi j'ai été un peu light euh, j'en referai il est assez probable que j'en fasse même des fois euh, juste pour vous partager ce que je suis en train de faire euh, j'aurai le, le chat à côté, j'aurai pas forcément euh, le micro en route. Euh, je partage le, le bureau avec ma femme qui crée des choses aussi de son côté, donc euh, euh, je peux pas tout le temps euh, perturber l'ambiance sonore du bureau, mais, euh, mais ça fait rien. Je pense que je préfère encore faire des, des lives même si euh, je, je parle peu. J'interagirai avec le chat avec vous. Je pense qu'il y en a marre de bibox qui me passe derrière avec le Pi Portal, Il faut que j'accélère et <laughs> que je vous fasse quelque chose. Pour qu'on ait un stream deck avec le Pi Portal. Mon dieu, ce bel objet là. Mais qu'on en fasse quelque chose. C'est beaucoup. Oh, J'adore. Vous n'aimez pas les PCB, les PCB comme ça oui. Moi franchement, je kiffe les PCB. J'y peux rien. Il va falloir que je consulte un psy pour mon amour des PCB. Euh, donc voilà. Je tâcherai, promis b je vais regarder de mon côté si je peux retirer tout ou pas. Euh, tout ce qui est pub. Je, à mon avis, ça doit être comme YouTube. Je ne couperai pas la pub initiale. Euh, mais je ferai le maximum pour dégager ça. Et puis, euh, par contre, je vous, ai déjà, euh, je vous ai déjà semé quelques petites choses rigolotes à utiliser pendant les lives. Euh, J'en mettrai d'autres et je serai bien déçu si la semaine prochaine vous ne trouvez pas les choses que j'ai posées. Ouais, je voudrais pas vous exciter avec tous ces PCB formidables. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vais quand même aller manger un petit morceau. Je vous souhaite bon appétit si vous n'avez pas mangé. Et euh, à bientôt, soit pour un live coding. Et de toute façon, à lundi prochain au pire Salut